C'est parti, allez, je vais vous faire un petit tour du studio. Voilà. Vous voyez, c'est plein de flou. Vous avez compris que tout ce qui est là maintenant, c'est le fruit de ma main et de mon travail à l'hôpital. Donc voilà. Alors quand je vous demande de faire des dons, c'est pas des dons pour que je puisse jeter de l'argent par la fenêtre. Mais vous avez vu que j'investis sérieusement. Là, je vous dis, il n'y a pas de l'argent. Là, de tout ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'il y a dans le téléphone? Ouais, dans le téléphone, je connais pour mettre dans l'essence, acheter des courses. Mais là, il n'y a que la moto. Ouais, les fans n'ont pas été achetés. Les fans n'ont pas été achetés le matériel. Alors, les fans m'ont aidé à mettre de l'essence, à acheter le plus gros don que m'a fait Fancy en campagne avec sa publicité. Ça m'a permis d'acheter une voiture d'occasion, un frigidaire. Et puis, encore plus heureux, c'est parce que le travail d'hôpital. Et puis, les fans faisaient des concerts sur Internet. C'était pour acheter à manger et tout, voilà. Vous avez vu l'évolution? Voilà. J'ai pas fait le calcul, mais de toute façon, je ne vous cache pas que quand je dépense, je ne calcule pas trop. Mais je suis approximativement à 22 000 euros.